Hey guys, bonsoir à tous, je vous salue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Apollo Studio with Cher. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment désactiver le suivi d'une app. Par exemple, à chaque fois que l'on installe une nouvelle application ou bien à chaque fois que l'on quand on veut connecter sur une application, par exemple, on veut connecter sur TikTok, sur WhatsApp ou bien sur YouTube, à chaque fois, on nous demande d'activer le suivi de l'application. Aujourd'hui, on peut en finir une bonne fois pour toutes. Pour cela, je vous demande juste, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, d'abonner et d'activer la cloche de notification et de ne plus rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors on y va. Pour cela, vous allez sur votre application réglage. Ici, on clique. Là, on va chercher confidentialité. Ici, on clique. Après confidentialité, là, on a suivi. On clique sur suivi. Après suivi, là, vous voyez, on a mis Facebook, MyTuner Radio, Coran Magic, TikTok, tout ça, je l'ai désactivé. C'est ça, oui. Donc, ce sont les nouvelles applications que j'ai installées sur mon iPhone. Ici, par exemple, si on l'avait activé, ici, vous avez vu, moi, je l'ai déjà activé. C'est pourquoi vous allez la désactiver. Si vous la désactivez une bonne fois pour toutes, vous ne recevrez plus de signal ou bien de message vous disant autoriser le suivi de l'application. C'est ça, oui. Moi, je l'ai désactivé. Si c'était activé, il faut la désactiver. Ok, c'est comme ça. Merci à tous. Salut. Bye, ciao.